Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour l'année 2022. Donc on va faire une petite fouille dans les vignes de l'Aube. J'ai trouvé un petit alu. Donc je filme parce que je viens de trouver un beau gastéropode, bien préservé. Puis il y a pas mal d'empreintes d'ammonite gravésia, donc elles sont quand même balèzes. On va essayer d'en trouver une au moins. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Hop, donc je viens de trouver une belle empreinte de bivalve, enfin un bon moule interne de bivalve. Je vais essayer de le dégager, même s'il a, il est pas complet, c'est pas grave, on va quand même essayer de l'avoir. J'ai réussi à l'extraire, par contre malheureusement il est fissuré et j'ai oublié de prendre de la colle. Voilà. Bon bah on va essayer de pas le casser avant la rentrée quoi. Sinon en vrai il est pas mal, on voit bien les stries. Juste ici, une belle empreinte de bivalve. Bon, je vais pas la prendre, j'ai déjà beaucoup. Mais elle est pas mal. En fait, c'est surtout dans le talus. Comme vous pouvez le voir, tous les petits points, c'est des petits coquillages qu'on appelle des lophas. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, c'est dû au coulée de boue quand il pleut du dessus, parce que les couches, elles sont superposées. Et avec l'eau de la pluie, ça les fait couler, ça fait des coulées de boue, et donc tous les petits coquillages tombent. Bon, je vais pas les ramasser, mais normalement, on peut trouver des dents de requin. Après, c'est pas évident à voir. Il aurait fallu que je prenne mon tamis. Peut-être dans une prochaine vidéo. Donc ici encore un bivalve avec des fonds marins. C'est pas très intéressant, je vais pas le récupérer. Mais ça nous dit bien qu'on est sur la bonne couche. Donc c'est plutôt cool. Je viens de trouver une petite coque. Bon, elle est pas très belle, elle est même immonde. Mais c'est pas grave, on va quand même la prendre parce que j'aime bien les coques et la contre-empreinte. Donc elle était comme ça dans la pierre en gros. Elle s'est décollée toute seule en tombant de la falaise. Hop. Et puis je viens de péter mon coquillage. C'est super cool. C'est pas grave, on va le recoller en rentrant. Hop, donc j'ai escaladé, j'ai monté d'une strate. Donc on a un étage un peu plus supérieur. Bon, malheureusement, on va dire au revoir au gravésia, il n'y en aura sûrement pas. On est beaucoup trop haut. On va essayer de trouver quand même quelques petits trucs sympas. Jamais fouillé ici. Et juste, si jamais vous fouillez dans les vignes, faites attention aux vipères en été. C'est super dangereux. Et aux éboulements aussi. Voilà, tout de suite. Hop. Bon bah malheureusement, la strate est beaucoup trop haute. Il y a pas mal de fossiles, mais c'est vraiment pas très intéressant, quoi. Je vais pas les ramasser. Donc c'était une fouille assez pauvre. Je vais essayer de la faire en deux parties pour vous proposer un peu plus de contenu, parce que là c'était vraiment, vraiment très très pauvre. Voilà.